Prenons le livre de Romains 12. Romains 12, nous allons commencer du premier verset. Romains 12, voilà, premier verset. Romains 12 du 1er au 6e verset. Romains chapitre 12 du 1er au 6e verset. Vous avez déjà eu, hein? Vous pouvez vous lever pour qu'on lise la parole de Dieu. Même si aujourd'hui nous avons une petite salle. L'important c'est la présence du Saint-Esprit. On en rend Dieu s'il vous plaît. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres l'un des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don des prophéties l'exerce selon l'analogie de la foi. Alléluia! Amen! Alléluia! Amen! Amen. Amen. Quelqu'un veut me dire, maman, je lui prêche. Ne me moins pas. Alléluia. Amen. Ici, nous parlons de notre bien et de Paul. Nous parlons de la nation à Paul. Paul dit ceci. Je vous exhorte. Au bon de la vie. Je vous exhorte. Le français biblique est mon sous-souhait. Mais vous avez entendu ça en lingala. La bonne de l'ibino. La lumière mia. Alléluia. Je vous exhorte. Donc, frère, dans les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Comme un sacrifice. Prenez vos stylos, soulignez-moi. Là où on a écrit vivant. Saint. Et agréable. Alléluia. Amen. Soulignez-moi ça bien aimé. Vous savez, hein? Paul ne transmettait que ce qu'il a reçu de Dieu. Lui-même, il mettait son corps assujetti. Il brisait son corps. Afin que son corps n'ait pas le pouvoir sur son esprit. Amen. Alléluia. Amen. Ici, il est en train de nous dire. Je vous exhorte. Par le compassion. Par le compassion. D'offrir vos corps comme un sacrifice. Vivant. Saint. Et agréable. Bien-aimé, je veux dire à une femme. Beaucoup de gens aiment bien que Dieu le bénisse. Beaucoup de gens aiment bien que Dieu exauce leur prière. Mais ils n'ont pas le temps. Alléluia. Amen.
Si on vous dit, venez, c'est comme dans mon pays, les gens viennent chez les parlementaires à cause des t-shirts. Parce qu'on va passer par moi les dames. À cause du riz, on va passer par moi l'os. Ils vont donner des votes. Bah pour que nous votions pas. Mais alors que le plus important, c'est qu'on vous donne du travail. Et c'est même pas ça. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens aussi comme ça avec Dieu. Ils appellent pour moi dans un pays. Il faut que demander. Parce que papa, donnez-moi. Papa, je veux ceci. Papa, la mini. Mais ils n'ont pas le temps de sacrifier leur corps. Parce qu'on a tenté à vous sacrifier. Vous savez, j'ai laissé 4 enfants à la maison. Avec mon mari, dont je sais qu'il ne sait même pas faire les choses de la maison. J'ai laissé ma petite fille de 3 ans. Avec leur aïe de 14 ans. Mais il y a des gens qui ont entendu qu'il y aura une journée de retraite ici. Ils continuent à donner des raisons à Dieu. Ils continuent à dire, moi je suis malade. Les autres disent, je ne peux pas. Les autres disent, même en disant, tu peux comprendre, non? Je suis une femme. Bien aimée. Aussi longtemps. Vous n'offrez pas à Dieu vos corps comme sacrifice. Vous copez c'est pas un zambé, mais nous autres on a bien noté le col à Dieu. Dieu n'a pas épargné Jésus. Zambé a péché ça qui était Jésus. Pour faire le sacrifice le plus grand. Bon apostat la mbeka ya moti. Qui a crié? Pour te sauver, arrêtez bien aimé. Jésus pouvait dire, oh Père, pourquoi moi? Je suis assis dans ma gloire. Quand tu vas descendre, ah non, je refuse. Et puis imaginez, on t'envoie dans une mission d'aller naître. Dans un endroit malsain. Est-ce que Trump peut accepter que son enfant naisse dans une poubelle? Mais Dieu si. Parce que le sacrifice crie. Alléluia. Amen. Au fond, mon corps bien-aimé. Donnons le temps pour Dieu. Donnons le temps pour Dieu. Arrêtons de nous justifier. À un moment, hein, Dieu regarde et dit, ta bénédiction était déjà là. Mais parce que tu ne sais pas te sacrifier. Il fait retarder la bénédiction. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Parce que ce que vous oubliez, oh, Togo Sanaka, tous les êtres que vous êtes là, et l'olenge au Tosaka, le colabat, Dieu nous a créés pour un but. Amen. Le premier but, Tina Limousson, c'est pour sa gloire. Amen. Si quelqu'un m'entend, est-ce que moi, Dieu nous a créés pour sa gloire? Amen. Dieu ne t'a pas recréé pour ton mari. Moi, si nous avons des lacs qui sont pour la mobilité. Parce qu'il n'a pas encore besoin de sexe. Il a besoin de 2 personnes. Femme et homme. Ensemble. Allez sur terre. Soyez mes ambassadeurs. Alléluia. Amen. La Bible dit que tout ce qui respire, c'est-à-dire, Dieu nous choisit par intérêt. Dieu nous choisit par intérêt. Et toi, tu es là de manière éternelle. Seigneur, tu ne m'as pas vu. Mais si on te dit, même il vient dans une journée, tu ne seras pas là. Maman India a une activité, les nerfs. Maman India a une activité, beaucoup de nerfs. Elle peut crier, crier. Aouganga, aouganga, venez. Boyaye. Elle ne vous demande pas l'argent. Ce n'est pas aussi un péché de la bénir. Elle appelle sous vous, pour pas. Elle va jeûner. Elle va prier. À commander. Pour qu'une personne vous soit là. Mais regardez les gens. Bon, toi tu vas aller, hein? Tu peux écrire pour moi, hein? Tu me dis ce qui va se passer là-bas. Tu fais même fier. Tu n'as jamais eu le temps pour
Dieu. We ask the blessing of God. On a dit nos enseignants, nos enseignants dans mes livres, les témoignages. Bien aimé, Balingami. Je vois un mari. Namoni mobali moko. Que sa femme ne prépare pas pour lui. Oh, moi ça l'a mis la caïte. Qu'est-ce que ce mari va faire? Moi ce mobali on a consigné. Va se fâcher. À possible. Mais là Dieu est devenu notre. Que veut me dire prêche? Prêche, maman. Ton mari qui se fâche parce que tu n'as pas fait la cuisine. Mon bal y a celui qui pour la bénédiction. Et quand je parle, là, analysez-vous. Mais tant que tu es au bas, tout à la cuisson, mon corps. Combien de temps tu as vécu sous la terre? Quelle est la facture de ton souffle? Facture, ni n'y a pas de paix pour la paix, ma maman. Est-ce que tout le monde on est aux États-Unis. Toute consommation est facturée. Consommation, nous sommes tout au foot et la famille. Quel est ce jour que Dieu t'a demandé la facture? Mais il te demande juste le temps. Juste le sacrifice. Mais tu n'as pas le temps. Mais s'il faut prier. Oh non. Mais je vois Jacob. Namoni Jacob. Le jour qu'il a déni Dieu, la Simba Kizambe, je ne lâcherai pas. Abinanti kaoti. Vous savez pourquoi? Il était audacieux. Azaki na kou. Parce qu'il va dire. Parce qu'Azaki na kou. Tu m'as rendu volant Dieu. Au commissaire na moi Dieu. Parce que c'est moi qui a voulu que je puisse prendre la vie de mon frère. Tu m'as rendu voleur. Au commissaire na moi Dieu. Parce que le nom de Jacob. Au commissaire Jacob. C'était le synonyme du voleur. Et les gars ils colombent moi Dieu. Tu changeras mon nom. Alléluia. Amen. Il était audacieux de demander à Dieu. Parce qu'il est que dans ce droit. Parce qu'à Zala, qui n'a pas de droit. Il y a des gens qui demandent à Dieu. Mais ça n'a pas de droit. Vous avez le droit à la beauté. Alléluia. Amen. Et Dieu dira à Jacob. Laisse-moi. Je dois partir. Je ne te laisserai pas. Et il a cassé la corde. Qui est parti, mon corps? Le nom de Jacob changea. Jacob est pour moi Israël. Dans le 12 tribu d'Israël sort. Alléluia. Bien aimé. Les sacrifices dont Dieu te parle. Il est en train même de donner les caractéristiques. Il dit que cette offrande, ce sacrifice soit vivant. Tu sais, quand Dieu parle du je vois l'histoire de Caïn et Abel. Ils ont offert à Dieu. Mais l'autre offrande n'était pas agréable. Il y a beaucoup de gens qui croient que j'offre à Dieu mon corps pour le servir.